Thank you.
Veritas
Gloria in excelsis Deo. Et in terra pax hominibus solae voluntatis. Preveniendo aspiras, et siam adiuvando prosequeres, per eundem Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui te cum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Lectio Epistolae Beati Pauli Apostoli ad Corinthios. Fratres, expurgate vetus fermentum, ut sitis nova conspersio, sic ut estis azimi. Et enim pascha nostrum immolatus est Christus.
Itaque puremur, non in fermento veterine, que in fermento malitiae, et nequitiae. Sed in adimi sinceritatis, et veritatis. Lecture de la première épître de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, purifiez-vous du vieux levain pour être une pâte nouvelle, puisque vous êtes des azymes, car le Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non pas avec du vieux levain, non pas avec un levain de malice et de perversité, mais avec des azymes de pureté et de vérité. Pascha nostra.
Sequentia Sancti Evangelii secundum Marcum. In illo tempore, Maria Magdalene et Maria Jacobi et Salome emerunt aromata ut venientes ungerent Iesum. Et valdemane una sabbatorum veniunt ad monumentum mortuorum soli. Et dicebant ad invicem, quis revolvet nobis lapidem ab ostium monumenti. Et respicientes viderunt revolutum lapidem, erat quippe manios valde, et introeuntes in monumentum, viderunt juvenem sedentem indextris, corpertum stola candida et obstupuerunt, qui dicit illis, nolit ex pavescere, Iesum quiritis Nazarenum crucifixum, surrexit non est hic, ecce locus ubi posuerunt eum. Sed ite dicit et discipulis eius et Petro, quia precedet vos in Galileam, ibi om videbitis, hic odixi vobis. Suite du Saint-Évangile selon saint Marc. En ce temps-là, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques et Salomé, achetèrent des aromates pour aller oindre Jésus. Et de grand matin, le premier jour de la semaine, elles vont au tombeau dès le lever du soleil. Et elles se disaient l'une à l'autre, « Qui roulera pour nous la pierre hors de la porte du tombeau ?» Mais en levant les yeux, elles voient qu'on a roulé la pierre. Or, elle était fort grande. Elles entrèrent dans le tombeau, et elles virent un jeune homme assis sur la droite, vêtu d'une robe blanche, et elles s'effrayèrent. Mais il leur dit, « Ne vous effrayez pas, vous cherchez Jésus de Nazareth, le crucifié. Il est ressuscité, il n'est pas ici. Voici l'endroit où on l'avait mis. Mais allez, dites à ses disciples et à Pierre, il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez comme il vous l'a dit. »
Chers fidèles, voici les annonces pour ce matin. Nous sommes le dimanche 31 mars, dimanche de la résurrection. Ce soir à 16h, un concert spirituel de Pâques, un récital d'orgue. Tous les jours sont des jours de féerie de première classe, c'est l'octave de Pâques. Mardi 2, il n'y aura pas de cours de doctrine approfondie le soir. Jeudi 4, pas de cours de catéchisme le soir également. Vendredi 5 avril, premier vendredi du mois, comme tous les mois, après la messe de midi 15, l'exposition du Saint-Sacrement, jusqu'au lendemain matin, 7h. Et à 17h45, office du rosaire. Puis également vendredi, à 20h, l'heure sainte. Samedi 6 avril, samedi in albis, c'est aussi le premier samedi du mois. Il n'y aura pas de cours de catéchisme le matin à 11h. Et enfin, dimanche prochain, 7 avril, dimanche in albis, messe et office aux horaires habituels. Annonce complémentaire. Donc aujourd'hui, à 16h, Madame Marie-Agnès Graal-Menet, titulaire du Grand Ordre de Saint-Nicolas, donnera le concert spirituel de Pâques avec au programme des œuvres de Buxtehude, Dubois et Guillemont. Évidemment, l'entrée est libre, 4h cet après-midi. Comme indiqué, donc, il n'y aura pas de cours de catéchisme pour adultes, ni de doctrine approfondie cette semaine. Puis également, pendant deux semaines après Pâques, il y a une modification des horaires des gardes. Elle commence le matin à 11h30 et l'après-midi, elle commence à 17h30. Et demain matin, lundi de Pâques, il n'y aura pas de garde. Donc, toutes les horaires, le plan de permanence, sont affichés au bureau de prêtres de garde. Lundi 1er avril, demain donc, à 19h15, dans la salle des catéchismes, réunion préparatoire à la consécration à la Sainte Vierge, selon la méthode de Saint-Louis-Marie Lyon de Montfort. La consécration aura lieu le lundi suivant, 8 avril, qui sera cette année la fête de l'Annonciation, qui est reportée à cette date du 8 avril, en raison de la Semaine Sainte et de l'octave de Pâques. Samedi prochain, 6 avril, de 9h30 à 17h, toute la journée donc, à la chapelle Notre-Dame de Consolation, a lieu un colloque à l'occasion du 750e anniversaire de la mort de saint Thomas d'Aquin. Le thème est « Saint Thomas d'Aquin, un penseur pour notre temps ». L'entrée est libre. Vous trouverez le programme et tous les renseignements nécessaires sur l'affiche et les tracts disposés au fond de l'église. Également dimanche prochain 7 avril, la conférence Aimé Sainte-Paul organise un goûter à 14h30 en salle des catéchismes. Toujours dimanche prochain, le groupe Saint-Jean de Matha organise à Villepreux, dans les Yvelines, une journée de formation à l'apostolat auprès des musulmans. Vous trouverez tous les renseignements sur l'affiche au fond de l'église. Pensons à prier pour le fondateur de ce groupe qui est mort en août dernier. Les feuilles d'inscription pour les cérémonies de confirmation, qui auront lieu le dimanche 12 mai, sont à votre disposition à la procure, ou bien à la sacristie, ou bien encore téléchargeables sur le site de Saint-Nicolas. S'il vous plaît, ne tardez pas à vous inscrire pour faciliter l'organisation. Puis également, le chardonnay du mois est paru. La couverture est un petit peu étonnante, puisque c'est le démon qui est dessiné avec les commandements. Le commandement du démon, du monde. N'hésitez pas donc à l'acheter ou à vous abonner, c'est encore plus simple. Et ce mois-ci, je commente le cinquième commandement, tu ne tueras pas. À cette époque où l'avortement est légalisé depuis longtemps et même constitutionnalisé, c'est important de se rappeler ces commandements élémentaires, on ne peut pas tuer l'innocent, même si c'est une loi. Également, un article sur un livre écrit par M. l'abbé Labouche sur le linceul de Turin. Ce livre est très bien fait, très abordable, avec de belles images. N'hésitez pas donc à le lire pour voir les avancées de la science sur ce linceul. Donc, n'hésitez pas donc à prendre le chardonnay. Je rappelle également pour les fiancés, s'ils le souhaitent, samedi 6 et dimanche 7 avril, donc le week-end prochain,
Il y a une session à la Martinerie, donc près de Châteauroux. Tous les renseignements sont sur l'affiche au fond de l'église. Et enfin, pour faire ces Pâques, l'église, notre mère, nous demande, et c'est un devoir grave, de communier une fois par an minimum, évidemment, au temps pascal qui a commencé 2 semaines avant Pâques et qui se termine 2 semaines après Pâques, et même souvent 1 mois avant, 1 mois après dans beaucoup de diocèses. Et de même, l'église demande à ce qu'on se confesse au moins une fois par an. Et il y aurait une faute grave, malheureusement, à ne pas obéir à ces 2 commandements de l'église. Et si quelqu'un ne l'avait pas fait, il doit le faire même après le temps pascal. Pensons à profiter de ces appels de l'église, de ces offres faciles pour aller au ciel. Ne serons pas négligents. Et enfin, de la communauté de Saint-Nicolas, son curé, ses vicaires et les frères remercient toutes les bonnes volontés, et elles étaient nombreuses, qui se sont dévouées pendant cette semaine sainte pour le bon déroulement des cérémonies et l'embellissement de l'Église. Ils vous souhaitent à tous une joyeuse et sainte fête de Pâques. Je laisse la parole à Monsieur l'abbé Cadier. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Monsieur le curé, chers confrères, chers fidèles, je commence par remercier Monsieur le curé de me laisser célébrer la grand-messe en pareil jour. Ce jour que le Seigneur a fait, car il y a bien eu un soir, et voici le matin, et c'est le 3e jour. Ce jour de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ est quelque chose des jours de la création. Si on lit les divers récits de ce jour dans les 4 évangiles, quelle est l'ambiance ? Lumière, légèreté. On voit cet ange vêtu de blanc, à l'aspect comme l'éclair, qui apparaît au sépulcre. Il y a Jésus, notre Seigneur Jésus-Christ, qui se réveille dans ce tombeau qui n'est désormais plus pour lui, qui sort de ce sépulcre comme s'il ne s'apercevait pas qu'il était fermé et qu'il est soigneusement intact, les sceaux laborieusement posés par les soldats. Jésus qui a l'air d'avoir oublié qu'il y a des obstacles. Et puis c'est cet ange qui va, comme par maladresse, effleurer cette lourde pierre et la faire s'effondrer comme s'il n'avait pas l'habitude que quelque chose puisse avoir un poids, la pesanteur, il va s'asseoir dessus. Et puis les exégètes remarquent comment les évangélistes nomment ce jour, Una Sabbati, un jour du sabbat, et non pas le premier du sabbat, le premier jour de la semaine. Le sabbat est passé, ce devrait être le début de la semaine du travail. Mais curieusement, la manière dont ce jour est décrit semble évoquer bien plus le premier jour du repos de Dieu après la création. Tout nous rappelle ce repos, cette légèreté, cette fraîcheur, cette vie toute nouvelle qui régnait au jour de la création. Ça n'est pas un hasard si la liturgie nous a fait écouter cette nuit tout le récit de la création. Adam s'est un jour réveillé, ce fut son premier matin. Il se réveilla pour la première fois et fit la connaissance de ce monde que Dieu avait préparé pour lui. Tout commençait, il était dans un jardin, c'était le printemps, tout était facile. Son travail aurait consisté à entretenir ce jardin. Quant à se nourrir, il avait qu'à tendre la main pour se nourrir de ses fruits. Tout cela ne devait avoir d'autre fin que d'être introduit sans effort au ciel, car il était immortel. Tout cela lui était donné sans mérite, sans prix antérieur. Il se réveille et il voit tout cela, tout commence, tout est à lui, mais lui est à Dieu. Il devait vivre une succession des cycles de soir et de matin, sans monotonie, sans anxiété, à la seule condition de reconnaître que tout cela, il l'avait reçu, que tout cela, ça ne lui était pas dû, que tout cela était gratuit, que tout cela était l'œuvre de Dieu, que ce monde, avec cette splendeur matinale, c'était l'œuvre du Verbe de Dieu et de personne d'autre. Eh bien, il a été transhumaniste avant l'heure. Il a voulu être lui aussi le Verbe créateur, qui est l'auteur de toutes choses. Et avec ce verbe-là, il va falloir s'attendre à des erreurs de conjugaison. Ce fut la tragédie de cette vie commencée dans la lumière, dans ce matin si frais, si resplendissant, qui va s'éteindre dans la nuit, dans le froid, dans la mort. Parce que le péché est arrivé et Dieu a voulu faire sentir à l'homme révolté le poids de sa mortalité. C'est l'homme qui va faire tomber sur la terre le premier soir d'angoisse, cette première nuit si froide avec cette saveur de l'abandon de Dieu qui l'a trahi.
Et le réveil suivant, ce sera le réveil du premier jour du travail, de travail pénible. Il va falloir arracher sa nourriture à la terre, et la terre est basse. Il fera l'expérience de ce sommeil sans réveil qu'est la mort, de cette raideur du cadavre, de cette lourdeur, de cette dureté de la terre. Et cette pesanteur est à l'image de l'orgueil qu'il a mérité. L'homme qui décide de se donner de l'importance, de se donner du poids, lui qui devant Dieu n'est rien. Comme dit un écrivain catholique, Satan est tombé à force de trop se prendre au sérieux, il est tombé en quelque sorte par sa gravité. Gravité symbolisée par l'inertie du samedi saint, alors que les saintes femmes, toutes brûlantes d'ardeur pour manifester à Jésus, au corps sans vie de Jésus, leur dernière marque d'affection, sont obligées de rester sans rien faire, dans cette pesanteur, dans cette inertie tout à fait stérile. Alors ce matin de Pâques, c'est une nouvelle création. La légèreté de la création semble revenue. Jésus sort du sépulcre, lui qui est la voie, il vient lui-même visiter tous ses disciples. Il est la vérité et après le premier mensonge du diable, après la première mauvaise foi d'Adam, après le déferlement de mensonges, de tromperies, de manipulations qui ont régné ce vendredi, après toutes les manœuvres de ses ennemis, il laisse ces mensonges devenir tout à fait inextricables. La seule chose que les évangélistes nous racontent sur le samedi saint, c'est que les princes des prêtres ont organisé tout ce qu'il fallait pour qu'on ne puisse pas retirer le corps de Jésus. Et puis le lendemain, eh bien, ce sera après le retour des soldats auprès des princes des prêtres, cette organisation d'un nouveau mensonge. Dites que les apôtres sont venus prendre le corps pendant que vous étiez en train de dormir et donc témoigner de ce que vous aviez vu pendant que vous étiez en train de dormir. Le mensonge devient compliqué à défendre. La parole de Jésus, elle, a toujours été lumineuse, elle a toujours été limpide. Jésus est la voie, il est la vérité, il est la vie. D'un mot, il a ressuscité Lazare, et sans un mot, il s'est ressuscité lui-même. Et lui qui est la vie, il donne la vie, la terre même, inerte, va s'ébranler subitement sur son passage. Cette vie, cette nouvelle vie de Jésus, cette vie transfigurée de Jésus, elle est définitive, il n'y aura plus pour lui de soir et de matin, il est dans la vie des ressuscités. Mais les autres, eux, subissent encore le poids de la chair, le poids du péché. Il y a ces gardes qui sont terrassés par la sortie de Jésus. Il y a cette pierre qui s'est effondrée. Il y a la torpeur de la foi des disciples, la lenteur de Pierre qui s'efforce de courir, mais l'âge est là, qui s'efforce de courir derrière Jean et qui arrivera après lui au tombeau. Il y a la crainte des saintes femmes devant les anges. Oui, mais cette crainte, elle sera apaisée par une parole des anges. La tristesse de Marie-Madeleine va être apaisée par un mot de Jésus, Marie. La torpeur de la foi des disciples, elle va être revivifiée, cette foi des disciples va être revivifiée par les visites de notre Seigneur Jésus-Christ qui cherche à réveiller en eux ceux qui avaient disparu pendant la Passion. La vie de Jésus, cette nouvelle vie ressuscitée, glorieuse de Jésus, elle ne concerne pour l'instant que lui, mais il va la communiquer petit à petit à tous ceux qui sont bien disposés. Et alors, leur vie et notre vie à nous aussi, ça consiste précisément à s'affranchir de cette pesanteur du péché, de cette pesanteur de notre orgueil, de cet asservissement au diable qui nous a enchaînés, de cet asservissement à la peine qu'il faudra purger pour nos fautes. Avant Pâques, il y a eu un carême. Il y a eu tous ces efforts par lesquels nous avons cherché à purifier notre âme, à prendre de bonnes habitudes pour faire le bien, pour aimer Dieu avec plus de profondeur, non pas forcément pour faire plus, mais pour faire mieux, pour faire avec plus d'amour du bon Dieu, pour s'affranchir de l'esclavage du péché, pour acquérir enfin la sainte liberté des enfants de Dieu, que cette espèce d'apesanteur du corps ressuscité de Jésus symbolise aux yeux de tous ceux qui auront la grâce de le voir dans ces jours bénis. Alors oui, ce sera un effort, ça n'est pas non plus un hasard si Jésus ressuscite à Pâques, à l'équinoxe, alors que le jour commence tout juste sa victoire sur la nuit. Il commence sa victoire, ça veut dire que la bataille n'est pas finie.
Il faudra atteindre, après ce cycle de soir et de matin, le jour sans crépuscule qui sera celui de la résurrection et du ciel. Malheur à ceux qui auront préféré la nuit sans aube qui sera celle de l'enfer. Mais la grâce est disponible pour tous. Jésus vient visiter ses disciples et puis les envoie conquérir les âmes les unes après les autres. À l'issue de ces derniers jours, ici-bas, après ces 40 jours où il donnera ses dernières instructions aux apôtres, il les enverra enseigner, baptiser, apprendre à tous, à tous les peuples, à toutes les nations, à observer les commandements qu'il a laissés, en particulier le commandement de la charité. Bien, chers frères, devant le monde qui cultive la mort, qui entretient la détestation de la nature créée par Dieu, ayons l'air sauvés. Rayonnons de la vitalité et de la jeunesse éternelle de Dieu, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Yeah.
et omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum. Sum colore da. Gratias agamus Domino Deo nostro. Salutare te quidem Domine omni tempore, sed in hac potissimum die gloriosius predicare, cum Pascha nostrum immolatus est Christus. Ipse enim verus est agnus, qui hac abstulit peccata mundi. Qui mortem nostram moriendo destruxit, et vitam resurgendo reparavit. Et ideo, cum angelis et arcangelis, cum tronis et dominationibus, cum quae omni militia celestis exercitus, himnum glorietur ecat animus, sine fine dicentes. Thank you.
et omnia saecula saeculorum. Receptis salutaribus moniti et divina institutione formati, audiremus dicere. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem. Et omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domini sit semper vobiscum. Thank you.
Confiteor Dei Omnipotenti, Beati Mariae Semper Virgini, Beato Michaeli Arcangelo, Beato Ioanni Battiste, Sanctis Apostolis Petro et Paolo, Omnibus Sanctis et Tibi Pater, Quia peccavi nimis cogitatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor, Beatam Mariam Semper Virginem, Beatum Michaelem Arcangelum, Beatum Ionem Battistam, Sanctus Apostolos Petrum et Paulum, Omnes Sanctus et Te Pater, orare promia Dominum Deum Nostrum. Miserat ton vestri omnipotens Deus, et dimissis peccatis vestris perducat vos ad vitam aeternam. Amen. Indulgens sola absolutionem et remissionem peccatorum vescorum, qui tot vobis omnipotens et misericordia Dominus. Amen. Petrenu Deice, qui tovit peccata mundi. Domine nos minus, Thank you.
Pascha nostrum. Sacramentis pascalibus atiasti, tua facias pietate concordes, per Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Deus dem Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Dominus vobiscum. Ite missa est, alleluia, alleluia. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Amen.